Nos parents, la diaspora,
pour ces efforts immenses fournis pour le compte de leurs frères et sœurs bien vivants. Donc, nous allons remettre tous ces dons au chef du village afin de le remettre à qui le doit. Je vous remercie.
bien à votre attention. Nous allons remettre ce bis au chef du village qui va l'accueillir dans la prospective. Et donc, j'ai promis aussi à la population de l'église. Mais c'est pas pour autant qu'on n'allait pas attendre pour jeter. S'il y a un souci, il faut qu'on vienne. Si le projet ne peut pas gérer, venez au chef du village. S'il ne peut pas gérer, moi je viens. On pourra se décider. Donc c'est vos enfants, aidez-les à vous aider. Aidez-les à vous aider. La mutuelle le fait si bien, la diaspora le fait si bien, parce que si cette diaspora n'avait pas confiance à l'hôpital, ils n'auraient pas mis leur argent pour venir payer tout ce matériel. Il a dit, je le dis, là, toutes sortes de contenus, on a dit, c'est-à-dire que les 10 seulement, ça fait 1 700 000, sans compter le reste du matériel. Vous voyez, c'est l'argent qu'ils ont injecté dedans. Ils ont fait les latrines. Pour ceux qui ont déjà construit, construire une latrine, c'est plus que construire une maison. Alors, quand vous avez le bâtiment, c'est très facile d'élever. Mais la latrine, là, ce qu'on fait, où l'eau s'en va, ça consomme assez d'argent. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment, ils pensent à vous. Donc, je vais finir, je vais être assez long parce que c'est assez long. Priez pour vos enfants. Amen. La jalousie de la personne a laissé tomber. Un service à son enfant, Dieu m'a montré que c'est non. En faisant donner les vies, ils n'ont pas pensé à leurs parents, ils ont pensé à tout le village, sans distinction. Parce que quand on tombe malade dans mon village, c'est la famille de l'autre qui tombe malade, c'est tout le monde qui tombe malade. Donc priez pour vos enfants, c'est vos enfants à vous tous, priez pour eux et laissons tomber la jalousie, c'est une élection. Donc ça, ça ne fait pas avancer un village. Pour le développement, on a besoin de se mettre ensemble. S'il y a des histoires, comme je l'ai dit, on ne peut pas vivre sans histoire. Mais quand il y a des histoires, on s'assoit et puis on les règle et puis on avance. C'est comme ça qu'on peut vraiment avancer. Je compte sur vous. Je compte sur la jeunesse. Parce que généralement, c'est notre jeunesse qui est un gros souci. Oh, demain. C'est l'émotion. Mais il faut reconnaître que depuis un certain temps, la diaspora ne gagne pas. A commencé à diriger des actions en direction de la population de l'État ici. Et c'est bien la diaspora qui a offert, n'est-ce pas, de l'appui au centre de santé. La même diaspora et la mutuelle de l'État ont offert une appui au bureau central ici. Cette latrine sera incessamment ouverte à la population. Une fois que la latrine, qu'ils sont en train de pour laquelle le projet est en cours, mais bientôt, cette latrine va voir le jour au niveau du marché. Il n'y a pas. Quand tout ça sera fini, et bien nous allons mettre toutes ces infrastructures à la disposition de la population. Et donc, oui. Il y a un groupe électrogène qui a été également ouvert au centre de santé. Et donc, il y a vraiment la volonté, n'est-ce pas, exprimée en direction de la population. Nous demandons tout simplement à nos frères de se mobiliser pour répondre, parce qu'en fait, quand on t'aide, tu veux que le ciel t'aide, toi-même, tu te mobilises aussi. Mais nous constatons une inertie de la part de nos parents ici. Et ceci n'est pas une bonne chose. Ceci n'est pas une bonne chose. Et il faut que nos parents ici se mobilisent, malgré pas, la conjoncture économique extrêmement difficile. Nous demandons à ce que chacun d'entre nous puisse mettre la main à la bouche pour le bien-être de la population. Merci.
la commissaire qui dit on a un budget en on a un budget en on peut être venu à qui est un mec qui n'a pas peur de le faire. On est quand même un côté. C'est un gars qui est notre mari en est. On peut dire que l'on a un peu. Monsieur le directeur départemental de la santé de l'Italie, et ses collaborateurs, monsieur le chef du village de l'Italie et sa notabilité, chères sœurs, chers frères, au nom du président de la Mutuelle de développement de l'IFIPA, au nom du président de la diaspora de l'IFIPA, je prends ce matin la parole pour ce cadre de nuit à monsieur le directeur départemental de la santé de l'Italie et ses collaborateurs. Ce matin, nous nous retrouvons au centre du village pour une sympathie. Eh, d'accord. Oui, je vais très bien. Avant de revenir sur le directeur, permettez-moi un peu de m'adresser à l'âme d'été avec parents. À toi, Aéo. Ok, merci. Voilà. Le chef a reçu le matériel, il a un mot à dire, vous êtes la parole. Merci beaucoup. Vraiment, je ne sais quoi dire, franchement. C'est l'émotion. Plus tard, peut-être que j'aurai quelque chose à dire, mais pour l'instant, vraiment, je suis dépassé. Merci. Je suis dépassé. Miguel, président, bien. D'accord. Bon, à l'heure du pas, les deux
ça, ça arrive. Voilà le beau village. Nous sommes assis sous préau. Regardez, hein, c'est ventilé, mais pour le moment, comme le magasin est fermé, on doit tourner tout ça là pour qu'on ait les gens ne pas où c'est. Donc, nous souhaitons que nos frères qui sont derrière nous, vraiment, nos frères, que nous remercions beaucoup, nos frères qui sont derrière nous, les encourager. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on balance nos messages, que ce soit dans le bon sens pour évoluer le village, ne dites pas certaines choses qui vont nuire notre village. La technologie d'aujourd'hui permet qu'aujourd'hui, dès que nous parlons, ils sont tous au courant de ce que nous sommes en train de dire. Donc, dites de bonnes choses au niveau du village pour que nos infirmiers, nos infirmières, nos sages-femmes, nos responsables de la santé soient toujours contents de nous. Donc, voilà. Le matériel est en train de me remettre de faire de bons usages. C'est toi seul qui fais l'entretien. L'infirmier est comme le prêtre. Il vient, l'hôtel est déjà prêt. Tout est balayé. Tout ce qui est fait, il fait sa messe. C'est comme ça qu'on geste. Qu'on geste, c'est son rôle. La propriété de l'hôpital. Monsieur Boitirel, c'est le voiturier qui coûte extrêmement cher. Et donc, ces moyens financiers consentis doivent être sûrs, n'est-ce pas, la population. Mais notre doléance principale s'adresse à nos frères et sœurs du centre de santé de Nyalepa. Nous leur demandons simplement de prendre soin, pas de ce matériel. Pour que chaque fois que nous allons passer, nous ne soyons pas déçus et que d'autres matériels arrivent. Parce que nous connaissons les moyens financiers de l'État. L'État a beaucoup de choses à faire. Il appartient aux citoyens. Il appartient à la population de se donner la main pour parachuter, n'est-ce pas, toutes les œuvres gouvernementale en direction de nos populations. Et donc, ce n'est qu'une première partie, n'est-ce pas, du don, mais les autres vont suivre. Nous voulons remettre symboliquement celui et tout le matériel qui l'accompagne au chef du village pour l'acheminer sur la procédure définie. Merci. Et l'agent de santé, il vient faire la messe de tout en bas. Il a tout dit. C'est votre hôpital. C'est votre hôpital dont la vie de cet hôpital à vous intéresse. Les agents qui sont là sont de passage. Mais l'hôpital, s'il n'y a pas quelque part, ça va rester avec. J'ai aussi dit à Olivier Président, si l'hôpital est équipé, c'est pour tout le monde. Ceux qui viennent ici, comme ceux qui sont de passage ici. Parce que la maladie des premiers, j'avais. Moi-même, je suis venu vous dire quelque chose. Je peux piquer toute une crise ici. Le premier endroit où on songeait m'envoyer avant d'appeler un bilan, tout ça pour m'envoyer, c'est à l'hôpital. Donc si cet hôpital est bien entretenu et c'est bien équipé, ça va nous profiter à tous. C'est pour ça que je voudrais que vous priez beaucoup pour vos enfants, pour vos parents qui sont ailleurs, qui ont pensé à vous en équipant cet hôpital. Et que vraiment, un commencement qui vient de faire, c'est un acte. Vraiment, il faudrait que vous priez pour eux. Aujourd'hui, peut-être, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais déjà, vous voyez ce qu'ils font. Si demain, ils ont plus, ils en feront plus. Parce que celui qui a un peu, mais qui vous donne déjà quelque chose, si demain il y a plus, il va augmenter ce qu'il vous donne. Et ça, je pense que le chef ou bien le président a dit, n'attendez pas dans cette le vice-président, n'attendez pas d'être riche pour apporter votre contribution au développement de l'hôpital.
n'attendez pas d'être riche. Souvent, ceux qui construisent des maisons, disent, n'attendez pas d'avoir l'argent avant de construire. Mais ce n'est pas faux. Si vous attendez d'avoir l'argent avant de construire une maison, vous ne construirez jamais de maison. Voilà la richesse là. Ah, c'est difficile, hein. Ceux qui sont là, je n'ai pas dit que c'est des voleurs, mais il y a la majorité là. Si il n'a pas des affaires, il ne peut pas devenir riche, tout ça. Avec notre travail là, c'est petit à petit qu'on va apprendre aux autres. Donc quand on apprend aux autres petit à petit, il faut aider le village à la hauteur de l'autre. Tout simplement, merci à ce frère qui a commencé à écouter le son. Je vous l'assure que là, ce matériel sera utilisé à bon escient. Le matériel sera utilisé à bon escient et nous y veillerons. Le président du projet, c'est là. C'est votre œil à l'hôpital. Il nous fera part s'il y a des défaillances. Mais je pense qu'il n'y aura pas de défaillances. C'est vos enfants. C'est vrai. Vous savez, la langue et la. Comme vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère Maxime. Monsieur le chef du village. Que je n'y allais pas, et c'est la totalité. Est-ce que le vice-président habituel, je n'y allais pas, est bien bon. Monsieur le président, toute la population, je n'y allais pas ici aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci. Et commencer le propos par une histoire drôle. Vous savez, il y a souvent des traditions. Les gens qui vont partir à l'école loin, comme s'ils comprenaient français ou qu'ils ne comprenaient pas français, tout ça. Donc il y a une personnalité qui va arriver dans une communauté. Il y avait quelqu'un qui est d'être ami. Il arrive, en tout cas, il y avait beaucoup de monde qui l'attendait sur la place, comme vous êtes là. Donc il pouvait servir tout le monde. Et il arrive au bout. Dit, ici c'est lui. Et celui qui traduit, il dit, on nous passe. Les gens vont dire, je dis à yo, je dis à yo. Pour vous dire que je suis vraiment venu à une richesse qui a été faite par la lumière et la diaspora de l'Italie. Merci. Merci à eux, on va penser à vous. Parce que l'hôpital, tout à l'heure, j'étais en train d'entraîner avec le chef et le vice-président. L'hôpital, c'est d'abord pour vous. Et je crois que c'est le chef de la. Parce que c'est une première.
une première technique de Jérusalem est créée et une première. Donc, vraiment, je remercie la Diaspora de me voir que le comité de développement de Jérusalem pour ce projet qui va faire à l'année de finale. Ce matin, c'est ma télé qui m'a réuni, et je vais remettre ça à qui de droit comme. Directeur régional de notre centre de Bravo!